Imaginez une destination qui allie tourisme, sport, culture, découverte et développement durable. Une destination capable de répondre aux souhaits d'une clientèle internationale, de dynamiser et d'intégrer le développement d'une région sans impact sur son environnement et ses ressources naturelles. Une destination qui réunit les infrastructures et les compétences pour accompagner un pays tout entier en termes de sport de haut niveau. Cette destination, c'est Mbo Dien Bé. Implantée au cœur de la Petite Côte, une des zones touristiques les plus belles du littoral sénégalais. Sécurisée et autonome en termes d'énergie, d'eau et même de santé grâce à son propre hôpital international, la station vous accueille toute l'année. Connectée avec le monde entier, à 5 heures des plus grands aéroports européens, le nouvel aéroport international de Dakar est directement accessible par l'autoroute en 45 minutes. Dakar, la capitale, est à 100 km. Sur 504 hectares plantés d'acacias et de baobabs, Mbo Dien Bé est bordé par 4 km de plages d'une beauté sauvage et parfaitement préservée. Pensée dès l'origine pour une approche intégrée et durable, la station s'articule autour d'ensembles hôteliers, touristiques et résidentiels haut de gamme, que complètent des infrastructures sportives, culturelles et de loisirs, qui proposent une multitude d'activités pour les petits et pour les grands. Au sein de coulées vertes favorisant la biodiversité, avec une architecture innovante et intégrée à l'environnement, la station propose à ses visiteurs et résidents différents types d'hébergements. Des hôtels de 3 à 5 étoiles, dont l'hôtel du Golfe, géré par Marriott, et celui de la Marina, par Hilton, pour des prestations d'exception. 6 maisons d'hôtes et un village dédié, le Kitesurf Camp, doté des équipements spécifiques à la discipline. Enfin, 4 éco-resorts, des villages de vacances éco-responsables. En complément de l'offre hôtelière, 2204 villas et 550 appartements sont proposés en tant que résidence immobilière de promotion touristique. Chaque zone résidentielle affiche sa propre identité en termes d'aménagement, de design et d'architecture. La vocation sportive de Mbo Dien Bé s'inscrit à la fois vers le monde professionnel et la formation, et vers le sport de loisir. Grâce à ses installations state of the art et son centre de haute performance sportive avec ses départements de biomécanique, physiologie, psychologie et nutrition entre autres, la station accueille les équipes étrangères et les fédérations sportives pour des stages de préparation, de remise en forme ou de concentration. Avec 5 académies, football, basketball, tennis, golf et kitesurf, le volet formation repose sur la sélection au niveau national de jeunes athlètes qui bénéficieront d'un encadrement et d'infrastructures leur permettant d'atteindre leur projet de vie et une carrière internationale. Les 5 académies sont ouvertes à tous pour des stages de découverte et de perfectionnement. Sur plus de 150 hectares, ouverts sur l'Atlantique, le Royal Teranga Golf Club compte 2 parcours de 18 trous éco-golf dessinés par Olivier Dongradi. À terme, l'ambition est simple. Séduire et convaincre pour devenir la première destination golfique du Sénégal. Océan oblige, les sports nautiques ont ici trouvé leur royaume. Pour les passionnés comme pour les novices, seuls ou en groupe, à Mbo Dien Bé, les plaisirs se déclinent à l'infini. Mbo Dien Bé offre une expérience privilégiée en termes de loisirs et de culture. Outre la marina, le beach club et l'aquapark, la promenade de la corniche s'ouvre sur la médina. Temple du shopping et de la restauration le jour, la médina anime les nuits de la station avec ses clubs et ses spectacles de rue. Le marché traditionnel, immersion Sénégal, joue la connexion avec les pêcheurs, agriculteurs et artisans locaux. Au son de la musique sénégalaise, on déguste ici des produits frais préparés sur place. En termes de culture, l'art et l'artisanat sénégalais bénéficient d'une exposition avantageuse. Avec le musée d'art africain et son showroom, mais également par le choix d'intégrer les ateliers des artisans designers au sein de la zone artisanale de la station et par la création d'une structure de management et de coaching pour promouvoir leurs projets, la station étant bien entendu leur premier client et ambassadeur. Ouvert aux événements publics et privés, le Palais des Congrès dispose d'un auditorium et devrait à terme accueillir des festivals de cinéma, de musique ou de spectacles vivants.
Durable par vocation, MODNB s'engage pour la protection de l'environnement, l'intégration sociale, locale, régionale et nationale, pour un développement économique viable et un progrès social équitable. L'ambition première est sociale, levier de développement majeur de la région, en privilégiant l'emploi local, les formations qualifiantes, mais aussi la qualité de la vie. La station est un véritable moteur de progrès pour l'ensemble des villages alentours. Pour préserver l'environnement et les ressources naturelles, l'électricité est fournie par un mix énergétique de technologies renouvelables propres à la station, l'eau potable par son unité de désalinisation. Les déchets liquides et solides, sels compris, sont traités et valorisés. Les eaux usées, une fois retraitées, sont utilisées pour l'arrosage des espaces verts et du golf. Seuls les greens bénéficient d'une eau dessalée. Tout entière dédiée au bien-être, aux loisirs et au sport, MODNB incarne une nouvelle génération de stations balnéaires. Responsable et respectueuse des hommes et de son environnement, elle préfigure le tourisme et le Sénégal de demain.